est revenu du monde souterrain et parcourt à nouveau la Grèce, les immortels sont très occupés ces temps-ci. Dionysos a appris que vous avez contribué à libérer Thésée du monde souterrain. Le dieu en est ravi, car il a besoin de ce héros. Qui sait, peut-être vous récompensera-t-il si vous persuadez Thésée de l'aider. Contrairement à Dionysos, Artémis en a soupé des mortels, car il semble impossible pour une déesse de se baigner où que ce soit sans qu'un mortel l'espionne. Elle en a tant soupé qu'elle a décidé de lâcher sur le monde toute sa ménagerie d'animaux géants, cerfs, sangliers, chevaux, lions et lièvres, afin de punir les mortels. Si vous avez un jour besoin... Salut à toutes et à tous les amis, ici Kazan Winterstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour la mission 2, avec Jason et ses les aventures et les voyages de Zajan. Donc là, on avait réussi le premier scénario la première fois, cette fois-là, le scénario devrait être un peu plus simple. On va devoir appeler Thésée. Donc on va faire une quête avec lui et tuer un monde, certainement sans dire de Calydon. Donc là, ce que j'ai fait, première chose, c'est que j'ai détruit toutes les... Comment ça s'appelle ? Tous les bâtiments de culture, comme on n'a plus besoin d'Hercule. Et là, j'ai peut-être un plan pour mon deuxième quartier actuel. À savoir, on va placer des bergeries ici. Genre, je pense que 4, ça serait suffisant. On va mettre les moutons de l'autre côté. Et comme ça, on sera tranquille. Voilà. Je vais également décorer un petit peu les quartiers, vu qu'on a des objets d'embellissement ou d'esthétique qui arrivent. Hop. Le génie n'existe pas. Voilà, c'est un début. C'est en attendant d'avoir autre chose. Je vais également développer un entrepôt ici. Hop. Et je pense que si on a le temps dans ce scénario, j'essaierai de bâtir... comment il s'appelle? Le sanctuaire d'Hermès, sinon on posera les fondations au minimum pour le préparer. Parce qu'on va en avoir besoin vu qu'on est vassal de l'autre taré de Stinfan. Donc alors toi, on te vide. Toi, je te garde. Hop, voilà. Je vais demander un don de marbre à Lemnos, tiens, on va pas trop traîner. Il acceptera de donner notre don. Et je lui fais un don de bois en échange de 16. Salutations, parfait. Camarades. Si vous accomplissez ma quête, le vous portera au nu. Je sais pas, je peux même pas appeler le V d'impôt. Qu'est-ce qu'il parle de taux d'imposition? Ensuite, derrière, je vais mettre des parcs. Je vais garder les statuts qu'on me donne selon les quêtes de héros pour quand on aura un autre quartier de riche. Ça peut être un plan assez intéressant. Ok, donc on a 12 blocs. Le palais trop loin, mais bon, ça c'est une question de temps. Armée. Mur. Construction de mur. Hop. On peut en faire aussi un corps de garde ici. Bon. Donc, plus que les blocs de marbre. On a 8 de plus. Ah, on a plus de sous. Ah. Donc, 1800 drames, c'est cool. Merci à je sais pas qui. Naxos. Non, il ne donne pas. Je Athéna suis Athéna. Oui, bah, tu seras célébré poussera dans votre cité. Et là je me dis pourquoi le sanctuaire d'Hermès serait utile. C'est parfait. Dépêche, dépêche. Bon, au pire on arrête la vente de plantes de bois et voilà. On peut pas lui envoyer là? Ah si. On va le faire tout de suite pour éviter qu'il nous attaque, tant pis. Ok, c'est bon, on a le marbre. On appelle Thésée comme ça. Si le sanglier de Calydon arrive avant, on sera prêt.
réputation va monter. Super. On a échappé au pire. Le sanglier de Calydon qui arrive. Et Thésée aussi. Donc là, c'est plutôt pas mal. Thésée va aller s'occuper de ce gros sac. Non, non, pas le marché. Non. Non, non, non. Non, tu triches le jeu. T'es vraiment un connard. Et vraiment sacré quoi. Ah, combat sur le pont. Thésée versus le sanglier. Allez. Un bon souverain. Sacre bleu! Voyons à quelle vitesse cette charrette peut aller! Et là, t'as ton marchand qui passe pour. qui passe au milieu entre combat et sanglier. Que Thésée s'en fout. Et le sanglier vient de périr, les amis. Déjà, un des deux objectifs de fait. Ils font chier, cet infâme, quoi. On sait qu'on est leur vassaux, mais quand même... Je suis Athéna. Célébrez-moi et une olivrette sacrée poussera dans votre cité. On va commencer à employer plus de gens, là. Il nous faut faire quelque chose, là. Je vais pas vous faire un scénario 6 minutes 20, il faut un minimum de choses. Faut pas déconner non plus. Là, le scénario, il peut être bouclé, hein, si je veux. Encore ? Ok, lui, il me saoule déjà. Tac. Voilà. Alors, armée. Je vais faire quoi ? Ah oui, sanctuaire. Le refuge d'Hermès. On va le préparer tout de suite. Voilà. La guide. Non, mais pourquoi cet infâme nous attaque encore ? On répond à tous leurs objectifs à chaque fois, quoi. Merde. Faut arrêter l'abus du jeu, quoi. Le jeu triche. Je vais quand même enregistrer. Je pense qu'on va devoir le finir plutôt prévu. Scénario, ça me dégoûte un peu que le jeu triche comme ça, quoi. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. Il n'y a plus qu'à espérer que les sous suffisent. Dionysos, je vous ai fort reconnaissant de l'avoir aidé à récupérer la corne d'Amalthée. Et pourrait vous récompenser davantage à l'avenir. Le dieu a été aperçu sur l'île de Zancle, lieu où vit sa nourrice bien-aimée Macris, et l'on dit qu'il est en train d'y préparer un endroit pour vous, si vous êtes intéressé. Ok, bon, ce scénario, franchement, je pense que ce sera le plus court que j'aurais fait jusqu'à présent. Franchement, j'ai pas le choix avec... ça me dégoûte un peu, j'ai pas le choix à cause de Stinfall qui m'attaque à outrance, là. Même si je réponds à ses demandes, ça me saoule un peu. Mais bon, donc ça veut donc dire peut-être qu'on aurait une colonie à choisir plus tard. Donc ça pourrait être un plan intéressant à voir ce que nous réserve la suite. Donc je vais vous laisser là pour cette mission 2 de l'aventure des aventures de Jason. Pardon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne. Et si vous aimez aussi. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.